domine l'actualité. Donc, après, vous parlez avec vous, un samedi, même un dimanche, justement, pour nous partager avec vous. Alors, ça va passer tout aussi, l'actualité est toujours abdominée à ça qui va passer dans le pays d'Haïti. C'est pas seulement nous-mêmes, non? Nous, Washington, qui est intéressé à ça qui va passer dans le pays d'Haïti. Le monde entier est intéressé, tout vu, en jeu qui vient qu'on est. Alors, ça qui vient qu'on est, la dernière fois, nous t'ai parlé, en fait, c'est Kenya qui est lui-même qui prend la dernière décision à la dernière minute. Kenya a dit lui-même, l'a campé sous déploiement force multinationale que l'a prêté, l'a campé sous là, jusqu'à ce que Haïti ait un gouvernement. C'est d'ailleurs un gouvernement légitime, un gouvernement légal. Que le cas bon partenaire pour le négocier. Donc, tout autant pas gagner ça, oui, tout autant que installation, conseil de transition, conseil présidentiel de transition, mais tout autant que ça pas fait, il pas voué tout plus en Haïti et il pas point tête mission ça pour aller en Haïti. Il pas point tête. Donc, ça qui était bas aux États-Unis, go, qu'est-ce que c'était? Parce que dans le premier temps, c'est-à-dire 24 heures avant, non, ça, Kenya a dit que il parait pour le déployer. Dans 2 semaines, il a déployé force à tout l'autre pays participant. Et puis 24 heures après, il dit le pas aller encore. Donc Washington pas tellement content avec les déclarations ça. Donc Washington couille enfin dans la personne de secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui parlait et je dis à même avec le président kényan Ruto. Et bien il parle avec elle pour lui dire et ça va passer exactement pour qu'ils soient voulu abandonner, pour qu'ils soient voulu camper sous projet. Et bien en réponse et secrétaire d'État a dit que Kenya d'accord pour les déployer force là vraiment, mais c'est après va gagner installation conseil de transition hein, et puis va gagner un gouvernement qui établit qui c'est avec un premier ministre qui a remplacé premier ministre qui lui-même qui déjà bail démission, donc nous il est le premier ministre démissionnaire parce qu'il dit une fois qu'il installe le conseil de transition après l'école à tout le gouvernement, il y a seulement à exécuter les affaires courantes. Il y a un monde qui dit que est-ce que depuis jeudi c'est pas affaire courante qu'a fait. Donc ensuite, les wagons pour les ministres nommés avec un gouvernement, et laisse ça la petite école. En parlant de premier ministre Ariel Henry, bon, nous l'avons coucou des premiers ministres de la province de Caroline. Il y a des gens qui disent Porto Rico, des gens qui disent pas Porto Rico de toute façon. Nous sommes sur place Valérie Saint-Louis qui a cherché premier ministre en tant que couche fou, mais qui n'est pas capable de venir. Donc ça veut dire que nous, d'elle quand même. Dans l'autre grand point qui s'est dominé l'actualité, surtout qui concernait, c'est le conseil de transition. Car comme tu as imposé des conditions, poser des conditions pour que qui est-ce qui est capable de faire partie du conseil de transition ça. Alors, il y a une parmi qui a dit que, par exemple, le patron doit être inculpé, le patron doit être un monde qui est condamné, et puis le patron doit être contesté et les prochaines élections, et puis tous, faut d'accord avec principe pour déploiement force multinationale, force police multinationale là, qui va travailler avec police nationale pour aider et combattre cette insécurité à donc bataille avec gang. Donc, quand il y a ça qui passe, quand il y a, par acteur qui concerne qui gagne entre 24 à 48 heures, et bien, même, il dit que, même, et, il y a des gens qui sont d'accord pour voir les représentants, il y a des gens qui sont en désir les représentants. Ça veut dire que délai ça, qui, normalement, je dis, mercredi, et 13 mars là, c'est le dernier jour, mais il pas semblé que toutes ces membres déjà réunis. Alors, il y a d'autres qui posent d'autres questions, qui dit qui pouvoir que CARICOM gagne, est-ce que il y a moyen pour enquêter sous 7 membres ça? Est-ce que toute partie qui est invitée pour vous représenter, est-ce que tout membre en dedans partie ça est d'accord avec nomination, yon membre l'autre partie à vous? C'est une question ça, ou est-ce que CARICOM a le pouvoir pour le faire? Alors, question pour bah, par exemple, ancien sénateur et Moïse Jean-Charles, qui n'ont en coalition ensemble avec Guy Philippe Noaplo, qui était fait prison aux États-Unis, que les États-Unis déporté, et qui qu'on a un parti politique, et bien lui-même, lui, Moïse Jean-Charles, un bel voyepier, lui dit même, il n'est pas d'accord avec la proposition et CARICOM. Donc lui-même, lui dit, lui était ferme derrière une proposition qu'il a fait pour te un conseil là-dedans, pour te un conseil de transition, tu as bien 3 membres, et parmi les membres, tu as bien exactement Guy Philippe. Washington dit lui-même pour lui-même, il n'y a pas que Guy Philippe éligible pour que lui-même lui fait partie du conseil de transition. Ça. Et Guy Philippe dit que, bon, au départ, il n'y a pas que CARICOM a une autorité assez pour que lui propose un conseil de transition qui pouvait diriger qui pouvait diriger Haïti pour mener le pays dans les élections. Donc, son dossier qui a été ouvert jusqu'à présent, donc CARICOM, bah, j'en dis qui ça l'a fait. Si au cas de l'air a passé, Washington, la voix d'Amérique parlait avec un représentant porte-parole à la Maison Blanche, non, n'a pas eu Karine Jean-Pierre pendant que un voyage que le président Biden a fait.
Eh bien, il y a un représentant de la voix d'Amérique dans l'avion, hein, qui te pose la même question, ça, tout. Et que Washington, il y a quoi que, il faut que ces peuples haïtiens pour décider son série de questions. Mais toute question qui fait, là, tout, il vient, et question à te poser, est-ce que si Guy vient président d'Haïti, est-ce que Washington va reconnaître lui? C'est une question qui est très sensible, mais il dit qu'il faut que tenir compte de qui ça a comme t'es posé, dans comme condition pour qu'on monde vienne fait partie du conseil de transition. Alors, il y en a d'un, c'est que si vous faites partie du conseil de transition, ou pas t'as doué tout, candidat tout, pour un poste électif. Donc, c'est une autre question qui est posée. Donc, le dossier a toujours là, toujours jusqu'à présent, et pas rien qui garantit que, bah, il a marché, genre que tout le monde souhaitait que ça t'a fait. En tout cas, le dossier est toujours là. On a cherché un ancien premier ministre, pour qu'on ait si l'a fait, ou le premier ministre démissionnaire, pour qu'on ait qui ça l'a fait, est-ce que les disposés, et Valéo, mettons chasse là, là, pour essayer, y'a capable d'une, ancien premier ministre, puis on parle avec, justement, mais la position, c'est ce qui j'en ai sorti un pays. En un pays à même, c'est pratiquement la via, commencez-vous pas timidement, il y a des difficultés sur le plan économique, sur le plan monde qui gagne l'argent, mais pas acheter manger. Donc, il y a pas de difficultés. Monsieur Gagnon, eux-mêmes, qui sont leurs questions? Ben, monsieur Gagnon, qui gagne en tête, yo, dit Michelizé, barbecue, il dit qu'il faut que vous fassiez partie solution. Donc, il n'y a pas qu'à se lancer problème dans l'UTI, il veut que vous fassiez partie solution. Ça veut dire que, vous demandez, il faut que t'as gagné une amnistie. Alors, Guy Philippe, lui-même, qui n'a proposition, il t'a parlé, surtout, s'il t'est arrivé, prend pouvoir, eh bien, il t'a fait amnistie. En faveur, monsieur Gagnon. Il y a des gens qui disent non, monsieur Gagnon, pas qu'à gagner une amnistie, après toute exaction, toutes ces actes que vous faites, il n'y a pas qu'à joindre et amnistie et gens que il a demandé là. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais dans l'histoire, ça arrive déjà. Il y a un groupe, mon, qui déconne comme un paquet d'actes et qui vient entrer dans la vie civile, ou même dans la vie ou parti, vient tourner au parti politique. Et eux-mêmes, ils viennent entrer dans la vie, malgré tout ça que de commettre, ils déjeunent en ici, pour qu'ils savent que ça va faire en Haïti. C'est une question que l'expert a posée. Concernant le groupe, il y a l'autre expert qui pose des questions. Mon dirigeant, qui part à nouveau et monde, dans le conseil de transition, si dirigeant parti politique, ça lui-même, dit ça inculpé, ou bien encore, t'es gon problème avec la justice, que ce soit dans un pays ou un pays étranger. Donc, question de poser, donc, parti jusqu'à présent, toute partie, ou bien toute partie au monde que désigné yo, c'est monde que désigné, mais c'est pas membre, c'est pas yo, mais c'est pas dirigeant parti qui désigné, excepté proposition que ancien sénateur Maurice Jean-Charles fait. Ancien sénateur Maurice Jean-Charles, comme à l'accoutumée, mais lui-même, lui lancé mot de manifestation et il dit pas continuer à protester. En attendant, ambassade américaine, ou bien encore département d'État américain, à travers le ministère de la Défense, etc., il déploie l'autre groupe marine encore, pour protéger intérêt les États-Unis en Haïti. Donc, gon deuxième, gon l'autre groupe qui vient comme baron si c'est de citoyens parce que voyage au fait en façon clandestine et pas de couverture médiatique, pas grand, mais nous on apprend que le département d'État, il y aurait un autre groupe encore qui vient en Haïti et qui se traînement pour servir et pour protéger ambassade américaine en particulier, qui toujours l'ouvre, mais qui toujours l'ouvre pour servir d'urgence. Parce que dépasser ce personnel et non essentiel lieu retiré en Haïti. Et gain tout l'ONU, tout, qui a annoncé tout lui-même tout, il déplacer personnel non essentiel li gain en Haïti, mais il dit il est toujours en Haïti, présence est toujours là, et qu'il n'a pas abandonné en Haïti, il n'a pas abandonné Haïti, il a toujours été pour lui, et continuer à faire travail à faire, mais personnel non essentiel que l'ONU gain en Haïti, eh bien, il est retiré. Gain tout et Union Europe là, il fait même apparemment tout. Tout personnel qui non essentiel, il y a retiré en Haïti, il va l'autre côté et très certainement gain un pile là-dedans qui a en République Dominicaine de préférence. Pour faire l'argent, les États-Unis pour mettre près de plus passer 300 millions de dollars dans fonds fiduciaires, bien encore fonds pour aider ou bien encore pour financer opération force multinationale là. Et dernière nouvelle qui bail qui se tient dans les Nations Unies lundi, fait qu'on est que Fonds Nations Unies a parlé des Nations Unies, par exemple, il a gagné seulement moins que 11 millions de dollars, malgré pays, tant qu'aux États-Unis, qui étaient pour mettre 200 millions avant même que le secrétaire d'État américain pour mettre, on l'autre, et 133 millions de dollars encore pendant un compte qui se déroule en Jamaïque là. Il y a le Canada qui était pour mettre tout, plus passer 80 millions de dollars tout. Et bien, jusqu'à présent, France a beaucoup là et, Kenya.
qui n'a déposé de conditions pour que des déploiements fassent. D'abord, il a demandé 200 millions de dollars que le département d'État ou bien le département de défense américain ou bien les États-Unis pour mettre là, demandé pour le comme ça, lui-même, pour que c'est lui pour commencer à compter, là, pour qu'il soit capable de déployer, pour que force arabe déploie. Donc, comme ça, il passe avec le col là, alors que Kenya dit le pareil lui-même, mais rencontre dirigeants américains avec et autorité kenyane, et bien, je dis simplement, je sais m'attendre, mais question l'argent, tout, il est toujours sous tapis. Voilà, c'est comme ça, c'est quelqu'un grand point qui s'est de miniature, et puis c'est aux États-Unis, mes amis. Ligne droite. Ligne droite, qu'on y a, nous connaît aucun, officiellement, nous connaît deux représentants du Parti républicain, hein, qui c'est ancien président Donald Trump, avec ancien président, avec président sortant, Joe Biden, Parti démocrate. Mais tous les deux, après les dernières élections qui déroulaient en plusieurs États, mardi 12 mars là, eh bien, tous les deux candidats, ils ont joué assez de délégués, en fait, engagement, assez de délégués pour remporter nomination parti respectif, donc parti démocrate avec parti républicain. Et tous les deux candidats, ça, qu'on y a là, monsieur, tête droite qu'on y a regardé, élection générale, le cap déroulé 5 novembre, et juste avant sa fête, par gain nomination, par gain d'abord, et ça, les conventions nationales, parti républicain, côté parti démocrate, qui pral désigne officiellement représentant une élection, hein, et campagne a pas commencé, et élection générale pral gain gros décision, pral gain peuple a pral gain droit pour voter, même là que gain pile question qu'a posé, etc., et y a un sujet qui est important dans l'élection, ça, c'est dossier immigration, nous gain dossier économie, gain l'autre bagarre encore qui parler, mais dossier immigration, dynamite en sans débat, parce que, et républicain, prend dossier ça comme choix de bataille, dossier et immigration comme choix de bataille, pour que yo servir comme outil pour essayer dans quelle mesure capable de remporter l'élection devant le président sortant, n'a pas eu de Joe Biden. Monsieur Jean-Baptiste Philippe Capsa de nous, t'as dit nous.